Hello, c'est Amy et les chichis, on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans la miniature, je vais vous parler des friandises de chez True Leaf Pet. Donc je vais tout d'abord vous parler de la gamme qui est pour chat parce que je l'avais reçue au moment de Noël, donc normalement il est encore bon. Oui, c'est tout bon. Donc je l'avais reçue en cadeau parce que j'avais participé, je ne sais plus sur la page de qui, au niveau des concours au moment de Noël et j'avais gagné ça. C'est spécial urinaire pour les chats, donc je veux quand même vous en parler dans cette vidéo pour vous montrer qu'il y a aussi une gamme chat qui est faite. Comme je n'ai pas de chat à la maison, soit que je le donnerai au chat des voisins, potentiellement, ou alors on ira le déposer avec le reste de ce que je vais donner à la SPA. Donc je vais vous mettre fait le petit truc que j'avais reçu avec. Bonjour Amy, nous vous remercions pour votre participation à notre calendrier de l'Avent. Donc je crois que c'est eux qui faisaient directement sur leur page Facebook, Instagram, où on pouvait gagner tous les jours des cadeaux avec eux. Nous avons le plaisir de vous présenter nos friandises True Hemp Urinary Tract pour les chats. Dans cet emballage, vous trouverez votre lot ainsi qu'un livret pour vous présentant l'ensemble de nos produits pour chiens et chats. J'espère que cela vous plaira à vous et surtout à votre chouchou. Donc pour le cas, moi ce sera un cadeau pour la SPA. Partagez-nous votre expérience et surtout donnez-nous votre avis sur les réseaux sociaux en utilisant le compte TrueLeafPetFR ou hashtag TrueLeafPetFR. Nous adorons recevoir vos photos, commentaires et les réactions de vos loulous devant nos friandises. Vous avez des questions? Envoyez-nous un message sur notre page Facebook ou Instagram. Nous vous répondrons le plus vite possible. Merci et à très bientôt l'équipe TrueLeaf. Hashtag Retourne the Love. Donc voilà le petit truc que j'avais reçu. Donc voilà, donc apparemment ce sont des petites croquettes fourrées que généralement les chats ils aiment bien, ces petites formes de croquettes là. Donc ça je sais plus si c'était le format complet ou un échantillon, mais je pense que c'est le format complet, donc c'est marqué spécial pour l'entretien urinaire. Donc, voilà, il y aura la traduction derrière. Donc après il y a marqué, donc c'est marqué sans céréales, fabriqué au Canada, et généralement vous savez à quel point j'aime tout ce qui est produit de type anglo-saxon entre guillemets, parce que bon, le Canada est en partie anglais aussi, donc voilà, tout ce qui est produit anglais, canadien et compagnie, je suis trop fan, et fait avec du poulet, et dedans il y a 50 grammes, donc ce sont des friandises qui ont aussi des bienfaits, ce ne sont pas que des friandises, c'est aussi des compléments alimentaires. Et donc c'est marqué aliments complémentaires pour chat, donc composition viande de poulet frais à 18%, farine de pommes de terre, flocons de pommes de terre, protéines de pommes de terre, graisse de volaille, donc foie déshydraté, huile de chanvre à 4%, cellulose, protéines hydrolysées, chaîne de vie à 2%, feuilles de chanvre séchées et broyées à 1%, de l'airelle à 0,5%, du calendula séché à 0,5%, du mano-oligosarachide et de l'acide d'acosaénoïque, je sais pas ce que c'est, DHA. Donc il y a 20% de protéines à l'intérieur. Et au niveau des additifs, il y a de l'antioxygène. Donc ils disent pas plus de 12 pour un chat de 2 kg, pas plus de 18 pour un chat de 4 kg, pas plus de 25 pour un chat de 6 kg. Donc sans sucre et sans glycérine, sans céréales, sans colorants et arômes artificiels. Voilà, on a tous les petits logos qui sont juste ici. Et donc voilà, ouais, au niveau de la composition, ça reste des friandises, mais voilà, il y a quand même pas mal de pommes de terre à l'intérieur, ce qui est un petit peu embêtant, mais bon, pour constituer une forme de croquette, il n'y a pas trop le choix. Donc voilà ce qu'ils font pour la version, en tout cas, chat spécial urinaire. Ensuite, lors de la Woofrun, j'ai pu recevoir gratuitement des paquets pour chiens, donc que ce soit, j'en avais un dans le pochon et j'en avais plusieurs qui m'ont donné sur le stand directement. Je suis déçue parce qu'il n'y avait pas la version calming, donc c'est la troisième qui existe. Sachez que ces trois gammes, vous pouvez les retrouver directement sur le site de mon animal au naturel qui vend les trois au prix de 3,50€ le paquet. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite de ce qu'il y a. Donc en premier, on a eu le Skin and Coat. Donc ça, c'est celui qu'on a eu tendance à donner, qui nous avait donné par rapport à Skull, parce que bah les filles, bah, comme elles ont pas de poils, comme j'avais été avec Lady, mais que moi je pourrais l'utiliser avec Amory. Donc au niveau de ce qu'ils nous en disent, pareil, sans céréales, fait au Canada. Dedans, il y a 7 sticks. Donc on voit là la forme des sticks qu'il y a à l'intérieur. Ce qui me fait rire parce que si on regarde bien la branche, ça fait un petit peu penser à une feuille de chanvre. Voilà. Je pense que c'était exprès. Et donc pareil, ce sont des friandises qui ont des fonctions et dedans il y a 100 grammes. Je vais voir s'ils nous en disent un petit peu plus parce que j'ai les petits prospectus ici, donc je vais pas m'amuser à tout traduire s'ils ont déjà ce qu'il faut. Ouais, on a tout de marqué ici. Donc apparemment ils le vendent soit en petites friandises à donner en petites bouchées, soit on l'a en stick comme ça. Moi j'ai eu que les versions stick. Je ne sais pas ce qui est vendu d'ailleurs sur mon animal au naturel, j'ai pas fait attention. Donc ça c'est la spéciale formule peau plus poil de chez True Leaf. Votre chien n'a jamais l'air aussi en forme que lorsque sa peau est douce et son poil brillant. True Leaf allie le chanvre. Donc
Donc True Hills allie le chanvre à divers autres ingrédients actifs afin d'offrir une source végétale et marine d'acides gras essentiels oméga 3 et de puissants antioxygènes qui, ensemble, favorisent les fonctions cutanées et offrent à votre chien ou votre animal un poil brillant de santé. Cette formule contient des graines et de l'huile de chanvre, source d'oméga 3, d'acide gamma-linoléique, GLA, ou d'acide stéaridonique, SDA. Elle inclut également des graines de lin moulu, source naturelle d'acide alpha-linoléique, ALA, huile de saumon, source marine d'acide gras oméga 3, DHA et EPA, grenade séchée, source naturelle d'antioxygène, sans céréales, friandises ou bâtonnets, dentaire à la viande. Donc ça, franchement, la compo, elle est bien expliquée, bien détaillée, pourquoi ils ont mis ça et tout, et ça, c'est trop cool. Par rapport au chat, il y a beaucoup plus de taux, donc là, par exemple, le poulet frais est à 60,5%, plus haut que la plupart des croquettes, quand même. Graines de chanvre moulues à 15%, saumon frais à 10%, feuilles de chanvre séchées et moulues à 4%, psyllium, cellulose, levure de bière, chlorure de sodium, grenade séchée à 0,75%, graines de lin à 0,75%, huile de saumon à 0,5%, huile de chanvre à 0,5%, protéines de tournesol à 0,5% et yucca séchée. Donc, dedans, au total, on a 25% de protéines. Alors ça, c'est pour la version, donc la version friandise, celle que moi, je n'ai pas, les petites bouchées. Concernant les sticks, par contre, voilà, moi, je trouve que les versions de petites bouchées sont bien plus intéressantes au niveau de la composition que les bâtonnets. Parce que là, on a amidon de pois, donc les chiens qui sont allergiques au pois, c'est nada. Amidon de pommes de terre, glycérine, poulet frais, par contre, là, on descend à 6%, donc finalement... Si vous avez le choix entre les deux, prenez plutôt les bouchées, les petites friandises que les bâtonnets. Donc feuilles de chanvre séchées et moulues à 4%, graines de chanvre moulues à 4%, protéines de pois, huile de saumon à 2%, zéolite à 1,5%, huile de chanvre à 1%, goémone à 1%, grenade à séchée à 0,75%, graines de lin à 0,75% et protéines de tournesol à 0,75%. Donc là on passe de 25% de protéines à 10,5%. Donc c'est vraiment pas très haut, sachant que le minimum qui est recommandé c'est quand même 30% de protéines pour pas avoir trop de glucides. Donc ça c'est pour la gamme donc spéciale poil et pelage. Ensuite ce qu'on a eu le plus, parce que j'en ai eu un en cadeau, plus j'en ai eu un en cadeau sur le stand et un en cadeau dans le pochon, donc on a eu les Hip and Join. Donc ça c'était spécial formule hanche et articulation, donc ce sont les spéciales True Spirit. Nous aimons tous les chiens et chacun de nous sait combien il est difficile de voir nos compagnons s'affaiblir et changer de rythme avec l'âge. Cette formule allie les vertus du chanvre à d'autres ingrédients actifs pour favoriser le bon fonctionnement des articulations et renforcer la récompense de l'organisme aux la réponse de l'organisme aux inflammations. Elle contient des feuilles de chanvre, des graines de chanvre moulues riches en éléments actifs, en acides gras essentiels, oméga 3, 6 et 9. En tout cas, ça c'est ce qui servira le plus à Kitty, en espérant qu'elle le tolère bien parce que c'est plus chimique que du barf. Il y a dedans aussi de la moule verte de Nouvelle-Zélande, réputée pour leurs actions bénéfiques sur les hanches et les articulations. Des racines de curcuma, justement, je me renseigne à fond sur le curcuma pour Kitty. Puissant antioxygène naturel qui protège l'organisme contre l'action des radicaux libres. Mais ça, franchement, les bienfaits du curcuma, je vous en parlerai dans une future vidéo. Sans céréales, vous l'avez pareil, en fonction friandise ou bâtonnet dentaire à la viande. Donc pour la version petite friandise, donc des petites bouchées, vous avez donc 72% de poulet frais, ce qui est vraiment pas négligeable. Des graines de chanvre moulues à 15%, des feuilles de chanvre séchées et moulues à 5%, de la poudre de moule verte à 3%, du psyllium, cellulose, chlorure de sodium, racine de curcuma séchée à 0,7% et du yucca séché. Donc là on est à 27% de protéines au total. Donc là on a toutes ces petites informations là qui sont bien pratiques. Ensuite on a la version bâtonnet dentaire, donc celle que j'ai actuellement, donc avec de l'amidon de pois. Ça, le problème c'est que j'aime pas, c'est qu'il y a trop d'amidon dans cette version là. Amidon de pomme de terre, poulet frais à 10%, glycérine, feuilles de chanvre séchées et moulues à 4%, graines de chanvre moulues à 4%, poudre de moule verte à 3%, protéines de pois, zéolite à 1,5%, huile de chanvre à 1%, goémone à séchée à 1%, racine de curcuma séchée à 0,75%. Donc voilà pour la version articulation. Donc ensuite on a la version calme, donc celle que je n'ai pas eue, que j'aurais beaucoup aimé avoir pour pouvoir donner à Lexie. Donc formule apaisante pour la gamme True Leaf Calme, True Calme. Donc nous savons combien il est difficile de voir son animal de compagnie stressé par les bruits, anxieux des séparations, voire sensible aux humeurs de ses maîtres. La formule True Calme, composée de chanvre et de différents ingrédients actifs connus pour leurs effets apaisants, réduit les tensions et apporte calme et sérénité à nos compagnons les plus sensibles. Cette formule contient des feuilles de chanvre et de graines de chanvre moulues riches en acide oméga 3 et en acide alpha-linoléique. Et c'est ça qu'il faudrait que je m'achète aussi, c'est un micro qui porte directement sur ma face pour que je ne sois pas emmerdée comme ça, qu'on n'entende pas les emmerdements environnement. Ensuite on a aussi du thé vert qui a une action apaisante naturelle, des plantes réputées pour leurs vertus apaisantes telles que la camomille et la mélisse, sans céréales, friandises ou bâtonnets dentaires à la viande comme pour les deux autres.
Donc au niveau de la composition, cette fois-ci on se retrouve avec 37% de dinde fraîche et 37% de poulet frais. Des graines de chanvre moulues à 15%, des feuilles de chanvre séchées et moulues à 5%, du psyllium, cellulose, chlorure de sodium, thé vert séché à 0,5%, camomille séchée à 0,25% et citronnelle séchée à 0,25%, du yucca séché. Donc le taux de protéines ici est de 24%. Ça va. Et par contre, pareil, même souci avec les bâtonnets dentaires. Donc amidon de pois, amidon de pommes de terre, poulet frais à 10%, glycérine, feuilles de chanvre séchées moulues à 4%, graines de chanvre moulues à 4%, protéines de pois, zéolite à 1,5%, huile de chanvre à 1%, thé vert séché à 1%, camomille séchée à 1%, citronnelle séchée à 1%, et goémon séché à 1%. Donc là, par contre, le taux de protéines... 9%, donc ça se casse bien la tête, donc je ne sais pas, à mon avis le taux de glucides ne doit pas être très haut, je vais vraiment vérifier ça. Et ensuite il nous parle donc du chanvre qui est à l'intérieur de toutes ces fleurs lisses, et ensuite après il nous parle du chanvre qui est vraiment l'ingrédient sur lequel il se mise le plus dans ces fleurs lisses. Et donc sur la dernière partie il nous parle donc des propriétés du chanvre, donc M plus C chanvre. Quelques informations sur le chanvre n'est bien entendu pas du cannabis malgré la forme que ça avait sur le bout du stick que je vous montrais tout à l'heure en image. Le chanvre n'a donc pas de propriété à hallucinogène. Le chanvre n'est pas une substance psychoactive. Qu'est-ce que le chanvre? Le chanvre contient 25% de protéines, 40% de lipides, qui est très intéressant parce que les chiens assimilent bien mieux le lipide que le glucide, et 28% de fibres alimentaires. Dedans, il y a aussi de l'acide folique, vitamine B est essentielle pour la production de cellules sanguines saines. La thiamine, vitamine B, joue un rôle clé dans le fonctionnement du cœur, des muscles et du système nerveux. De la feuille de chanvre, donc dedans, il y a... Dans la partie feuille, il y a donc de la cannabinoïde végétaux, parce que oui, ça reste quand même de la même famille que le cannabis, et donc de la phytocannabinoïde offre une action antioxygène qui diminue les radicaux libres et renforce les réponses de l'organisme aux inflammations. Il y a aussi de la riboflavine, donc de la vitamine B, qui est bénéfique pour la vision et la peau, et donc la vitamine B directement en soi qui renforce le système immunitaire, et de l'acide stéaridonique, de la SDA, qui est une source végétale d'acide gras oméga 3, excellent pour la santé. Et en dernier, donc on a les petites informations donc sur qu'est-ce que True Leaf Pet. Donc à propos de True Leaf Pet, le chanvre est extraordinaire et les chiens aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de combiner les propriétés exceptionnelles du chanvre et des ingrédients novateurs aux qualités scientifiquement prouvées afin de créer nos friandises et bâtonnets dentaires True Leaf Hemp pour chiens. Disponible dans 3 gammes différentes que je présentais précédemment. Formule hanche plus articulation, formule apaisante ou formule peau et poils. Parmi nos ingrédients actifs, citons la moule verte, la racine de curcuma, l'extrait de grenade, le DHA issu de cellules entières d'algues, les graines de lin et d'autres extraits de plantes. En prime, nos friandises au chanvre offrent un faible indice glycémique, ne contiennent pas de céréales et sont fabriquées à partir de 70% de volailles fraîches. Nos nouveaux bâtonnets dentaires, donc celles que je vous ai montrées justement, c'est pour ça qu'ils en faisaient la promotion lors de la oufrelle, contiennent les mêmes ingrédients actifs que les friandises True Hemp dans un format bâtonnet dentaire sans céréales conçu spécialement pour favoriser la bonne santé des dents, sachant quand même que tous ces sticks là pour les dents... Donc à chaque fois on dit toujours que ce genre de stick est bon pour les dents et le tartre, chose qui est totalement fausse parce que c'est vraiment trop mou et ça laisse des choses dans le dépôt sur les dents. Et des gencives de votre animal tout en offrant les bénéfices fonctionnels du chanvre et des autres ingrédients. True Leaf Pet s'est donné pour mission de proposer des produits naturels novateurs particulièrement bénéfiques pour nos amis les chiens afin de leur offrir une excellente qualité de vie. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et visitez notre site web à l'adresse www.trueleafpet.eu. Donc voilà pour cette petite vidéo, désolée si j'ai pas eu autant d'entrain que d'habitude, mais il y a eu pas mal de petits soucis qui se sont passés. Au total, ça fait plus d'une heure que j'y suis à tourner cette petite vidéo, parce qu'entre les bruits extérieurs, Kitty qui est attirée aussi par les bruits extérieurs, qui fait qu'arrête pas d'aboyer, donc il faut que je passe des pauses toutes les deux secondes, mes voisins qui font beaucoup de bruit aussi. Voilà, il y a plein de choses qui font que j'ai voulu reprendre après tranquillement après avoir fait une pause. Le souci c'est que j'ai filmé sans allumer. Donc j'avais dit que je voulais faire goûter les friandises de Loulou, ils auront cette chance là pour eux que la vidéo est buggée parce que le paquet est déjà ouvert. Je leur ai déjà fait goûter mais je leur refais pour la vidéo. Donc là on voyait vraiment la forme de la feuille de chanvre, sachant qu'aussi j'ai presque plus de batterie, ça va couper. Donc hop, on donne au doudou et on va conclure maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits de chez True Leaf et à me dire si vous les avez, si vous comptez les acheter ou si vous les achetez pour leurs propriétés. En tout cas voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas à me regarder une petite pub sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis désolée d'avoir parlé aussi vite parce que ça risque de couper à tout moment. Kisou.